Bonsoir à tous, chez Jama. On se retrouve pour la rubrique de la rentrée, la rubrique Steam, pour le fameux pour 20 balles t'as plus rien. Donc j'ai pensé pour la rentrée, finalement je me disais que tout le monde est parti en vacances, on rentre, on n'a plus rien, mis à part des cailloux et du sable dans les baskets. Donc je m'étais dit, quoi de mieux que pour 20 balles t'as plus rien que de choisir la rubrique finalement des jeux gratuits. Donc allons voir ce qui se passe dans les free-to-play sur Steam. Pour se donner un ordre d'idée, est-ce que finalement à la rentrée on investit dans des jeux ou est-ce qu'on essaye du free-to-play? Donc là je suis dans les nouveautés populaires, vous voyez. Donc on a Endless World qui a déjà pas mal d'éval positives. Donc ça pourrait être sympa. Attention, hein, c'est que 106, hein, donc faut se méfier quand même. Donc, stratégie RPG, moi je dis pourquoi pas, c'est gratuit, hein, ça mange pas de pain. Ensuite, Gravitas, alors là, on a 250 évals positives. Je me dis, là, ça commence à être conséquent, on a des vidéos d'intro, on a quelques screenshots, c'est du casse-tête, ça peut être pas mal. Donc c'est un puzzle game, hein, je pense, un truc dans ce genre-là, ça a l'air d'être ça. Alors, Steam Bird Alliance. Alors là, par contre, ça, c'est un jeu que j'ai déjà entendu parler du curateur Danfield, qui l'a essayé massivement récemment. Apparemment, ça a beaucoup plu à sa communauté. Donc, du coup, on est quand même sur des évals plus ou moins variables. Donc je me dis, attention, méfiance, mais... Sa communauté en était content. Donc je me dis, c'est à voir, parce que Danfield est quand même quelqu'un d'important. En tout cas, il fait des très bons tests. Ensuite, allez, Hobbs. On va voir ce que c'est. On va pas aller plus loin après. On va pas tout faire, toutes les rubriques. Donc 756 éval positives, ça c'est pas mal, hein. On est même dans le trait positif, on est dans la stratégie. Build your deck, d'accord, donc un jeu de cartes. Hein. Un jeu de cartes, donc on peut, comme du Hearthstone, enfin genre de jeu. Écoutez, c'est pas mal. Alors maintenant, ce qu'on va aller voir, c'est pas les gratuits, c'est à la une du magasin, hein, voir ce qu'il y a. Alors... Donc on est à moins de 20 euros, on est d'accord. Hein. Donc je vais éliminer, malgré des très bons jeux comme Hunt Showdown qui est excellent. Hein. D'ailleurs, à 27 000, je l'élimine de mon classement. MGP, je ne me prononcerai pas. Et Minoria, ça, 15,11 euros. Moi, je pense que quand même, si vous avez quelque chose... Donc on va aller voir, hein, c'est... C'est du pixel RPG animé. Alors par contre, ça me sort pas les images. Non, ça a l'air d'être assez joli quand même. Découvrons la vidéo. Pourquoi pas? À voir. 133 évals positives. Moi, je dis à voir. Donc ça, c'est trop cher. On est d'accord. Donc là, on n'a rien. Donc je me dis peut-être pour cette semaine, finalement, faut aller voir les offres. Voilà. Donc le classique GTA 5, vous pouvez y aller là, 15 euros sans problème. Dragon Ball Fighter Z, ça c'est pareil, c'est pour ceux qui aiment le combat à la Street Fighter et avec des combos ultra faciles. Dragon Ball Fighter Z, ça c'est très bon. Assassin's Creed Odyssey, excellent mais trop cher, 29. PC Building Simulator, ça j'aime beaucoup, c'est le genre de jeu que j'affectionne. Voilà, en fait, c'est un jeu où vous montez des PC, donc faut être assez fan, mais c'est très bon. D'ailleurs, vous voyez, à 8753 eval, ça trompe pas. Voilà, et pour cette semaine, Dragon Ball Xenoverse, ça c'est un DLC, je présume. Ah non, il est aussi. Alors, à choisir, moi je préfère le Dragon Ball Fighter Z, hein. Honnêtement. Enfin, c'est plus ma tasse de thé que le Xenoverse. Mais voilà, c'est... Alors, ah non, j'allais oublier quand même, hein, faut voir. Donc... Barotrauma, ça c'est pas mal, c'est de la survie en multijoueur. Si vous êtes dans un sous-marin,
Voilà, vous êtes attaqué par des créatures, donc c'est ça, je pense que c'est valable en multijoueur. Donc 18,74€, effectivement, vous pouvez tenter l'investissement. Je pense pas que vous soyez déçu. Hein. Vous voyez, très positif à 1200 éval. Ensuite, The Surge, ça c'est un triple A, déjà qui date de l'année dernière, mais c'est pas mal. Hein. C'est, ça c'est pas mal. C'est, vous voyez, c'est un similaire Dark Soul. Donc c'est un Dark Soul-like, on va dire, pour faire de l'anglais. D'ailleurs, je vais faire une petite dédicace pour mon anglais à mon ami Fred. Voilà, qui se reconnaîtra sur la vidéo. Voilà pour cette rubrique, je pense qu'on va pas aller plus loin. Ce serait pour cette semaine pour la rentrée. Alors, cassez pas leur tirelire, peut-être investissez voilà, minimum de 20 euros, c'est 100 plus 100 moins. Mais sinon, n'oubliez pas, vous avez toujours les free to play. Allez, à plus, à bientôt.